Place au designer automobile. Grand Angle nous emmène ce soir à la découverte de l'école Sbarro à Montbéliard qui forme les stylistes automobiles. Ils dessinent et construisent les modèles de voitures que vous aurez peut-être demain dans votre garage. On regarde. Près de 40 millions de voitures sont en circulation en France, des citadines, des SUV, des coupés sport de marques françaises ou étrangères. Elles sont toutes différentes et pourtant, elles ont un point commun, elles sont nées dans l'esprit de designer automobile. Nous sommes ici à l'école Espera Sbarro, rattachée à l'UTBM de Montbéliard. Chaque année, elle forme une vingtaine d'étudiants à ce métier. Et cette école, c'est vous qui la dirigez, Anthony Weck, bonjour. Bonjour. Ici, on forme de futurs prototypistes. On apprend à dessiner les voitures et aussi à les construire de A à Z. C'est le cas de ce buggy qui vient d'être terminé là. Exactement, donc vous l'avez très bien résumé. En gros, la formation elle va se résumer en trois mots. Imaginer, concevoir et réaliser finalement. Et le dernier véhicule de la promo actuelle, donc c'est le petit buggy Taipan qui est ici. Donc a été construit de A à Z, donc par quatre roues, un moteur. Et puis on réalise la carrosserie, le châssis, les trains roulants, tout chez nous. Et certains prototypes ont aussi été distingués. C'est le cas de celui-ci, hommage 550. Il est allé au trophée de l'Argus et il est revenu avec la troisième place. Alors, notre grande surprise, on a été sélectionné. Déjà, d'être sélectionné, ça a été une grosse fierté. Et finalement, derrière, la troisième place, on va dire, c'était la cerise sur le gâteau. Et ça récompense finalement tout le travail des élèves et l'investissement qu'ils ont eu sur ce projet. Donc, ça a été une belle surprise. Et comment vous expliquez qu'il est parvenu à séduire le jury? Cette voiture, elle a été imaginée comment? Elle s'inspire de quel modèle? Alors, c'était l'objectif, ça a été de retrouver finalement un événement. Elle est née d'une ambition de retrouver un événement majeur donc pour présenter nos véhicules, en l'occurrence le Mans Classique. En 1973 est sortie la Matra Baghera et on s'est dit, tiens, si Matra ressortait le modèle aujourd'hui comme l'a fait Alpine avec la 110, à quoi pourrait-il ressembler? Et finalement, l'histoire, elle est née comme ça. Et avant d'arriver là, tout le travail en amont, c'est vraiment la feuille blanche, le dessin. Oui, exactement. Et surtout, respecter les codes originaux du modèle. Donc ça, c'était pas évident, mais voilà. On va aller à l'atelier dessin. Très bien. Bonjour Paul. Bonjour. Donc vous êtes l'un des étudiants de Sbarro, vous travaillez actuellement sur le prochain prototype. C'est ça. À quoi il va ressembler alors? Alors aujourd'hui ce prototype-là, on part sur une barquette 3 places, voilà, pour rappeler la technologie et l'élégance, et pour rappeler aussi les 20 ans de collaboration entre l'UTBM et l'école Sbarro. Et justement, quand vous dessinez, est-ce que vous pensez déjà à la phase de construction, aux contraintes que ça pourrait représenter? Oui, il faut, notamment par rapport au showroom, pour déplacer les véhicules, il faut que ça soit quand même réalisable et pour pouvoir le manipuler et rouler avec. Parce que justement, vous avez des règles à respecter, tout ce qui est aérodynamisme. Comment ça se passe quand vous imaginez un dessin? Vous prenez quoi en compte? Tout ce qui est empattement. En fait, on nous donne un empattement et après... on travaille en fonction de ça, il faut pouvoir manipuler le véhicule, donc pouvoir tourner. Il faut que le véhicule soit fonctionnel, donc tout ce qui est direction et tout ce qui suit. Donc là, par exemple, vous avez quelque chose avec beaucoup de courbes, ça fait penser au sport. On a essayé d'avoir quelque chose d'assez élégant, avec des lignes assez prolongées et avec certaines courbes, tout en étant futuriste et essayer d'avoir une allure de concept car, donc sans trop avoir des lignes très anciennes et rétro. Et au total, faut combien de temps pour finaliser un dessin? Le dessin, ça dure à peu près une semaine. On discute chacun par îlot de 4 et on débat sur différentes solutions. Et après, on a une synthèse, donc une semaine à peu près, environ. Et la prochaine étape après le dessin, c'est le modelage. Et ça se passe dans l'atelier juste à côté avec vous, Nathan. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe chez vous? Vous suivez le dessin qui a été fait et ensuite, c'est quoi pour vous? Alors, c'est ça. En fait, on suit le dessin, la synthèse du prof qui l'a fait. On le reprojette via un vidéoprojecteur pour voir les lignes de voiture et ensuite pouvoir, avec du tape, mettre les lignes pour pouvoir faire après la forme de la voiture.
Et est-ce que c'est difficile à appliquer, de passer du dessin à cette forme-là ? C'est quand même assez compliqué parce qu'on passe d'une forme assez, on va dire, plate en 2D. Ouais. Et nous, on doit réussir à la mettre en volume, en fait. Et donc, c'est assez compliqué de faire du 2D à la 3D. Et vous utilisez quel matériau, c'est quelle matière là, par exemple ? Alors cette matière-là, c'est de la clay en fait. C'est comme de la pâte à modeler en fait. On la chauffe et c'est modelable en fait. Mm-hmm. Voilà. Et ça vous permet vraiment de reproduire à l'identique les courbes, les lignes du dessin ? Alors ce ne sera pas reproduit à l'identique vraiment. Ce sera quoi ? 75-80% du modèle final. Parce qu'il y a plein de petits aspects, de petits détails qu'on ne pourra pas introduire en clay directement. Et vos principales difficultés, ça va être quoi alors pour vous ? Moi, vraiment, ce serait plus l'aspect vraiment de la mettre en 3D. Parce qu'on a vraiment du mal à bien définir, bien voir où est-ce que se finissent les lignes, où est-ce que telle ligne commence, mm-hmm. où la prolonger, où la mettre. C'est assez compliqué. Et la prochaine étape, alors, après ça, c'est quoi, après le modelage ? Après, bah, avec Paul, on va se retrouver tous en carrosserie pour pouvoir travailler la mousse. Et justement, voilà la prochaine étape, donc ce sera la construction aussi, qu'on découvrira demain dans la suite de ce Grand Angle. Bonne soirée à tous, à demain.